Alléluia. Gloire à Dieu. Assois-toi dans la présence du Seigneur et dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu fais partie de l'église du Seigneur. Et la Bible nous dit que son église est une église victorieuse. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour cette occasion ce matin où nous sommes ensemble et saluer la présence de chacun d'entre nous. Et je veux bénir Dieu pour cette occasion privilégiée qui m'est donnée ce matin de parler de sa part. Et par la même occasion, bénir le Seigneur aussi pour son serviteur par qui Dieu passe pour me donner ce micro. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père au nom de Jésus? Ce matin, regarde à quelqu'un et dis-lui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regarde à quelqu'un d'autre et dis-lui cela, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas la citation d'un savant, mais ça vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? C'est Ecclésiastes 7, verset 8 qui le dit. Et ce matin, c'est le thème de mon message. Amen. Mais tu vas prendre la Bible avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. On va lire jusqu'au verset 27. Et tu vas préparer également 2 Timothée 4, le verset 6 au verset 8. On va commencer par 1 Corinthiens 9. Je fais la lecture, c'est dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est facile à trouver. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que tu peux dire amen à la parole de Dieu? On va venir dans Timothée, s'il vous plaît. J'ai dit 2 Timothée. 2 Timothée 4. Excusez-moi. Voilà, j'y suis. 2 Timothée 4, le verset 6 jusqu'au verset 8. C'est juste après Corinthiens que nous avons lu. Je fais la lecture rapidement. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu peux dire amen encore? Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus. Quand nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible qui aime les images, la Bible qui aime les symboles, la Bible qui aime les comparaisons, nous parle de la course. Chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est comme une course. Et il y a un début à toute chose. Et généralement, le début est important, mais le début seul ne suffit pas. On peut aller s'inscrire à l'école. Et souvent, une année plus tard, 2 ans,
Souvent, il y a des enfants, quand on va les inscrire, ils sont tellement heureux d'aller à l'école. Mais souvent, 1 an, 2 ans, pour certains, 6 ans, 7 ans, ils disent, je ne vais plus à l'école. Soit parce que l'intelligence n'y est pas, ou bien ils trouvent les choses tellement difficiles qu'ils abandonnent. Le début était important, mais voici qu'ils n'achèvent pas. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit le mariage, il y a un début, c'est important. Souvent nous voyons les stars qui se marient à coups de milliards. Mais quelques jours après, tu apprends par la même presse, par même Facebook, que le mariage a été rompu. Sur place, tout le monde se dit, mais comment ils ont pu célébrer un tel mariage? Et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, ce mariage-là n'est pas allé jusqu'au bout. Généralement, quand le mariage est fini, ce que tout le monde regarde après, c'est le nombre d'anniversaires. Quand on dit 10 ans, on dit ouais, ils ont fait chemin un peu. Quand on dit 20 ans, on dit ouais, on peut les acclamer. Quand on dit 30 ans, on dit oui, c'est des doyens. Mais quand c'est 1 an, 6 mois, on dit non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alléluia. C'est pour dire que le début peut être important. Mais une seule chose est encore plus importante, et c'est la Bible qui le dit, c'est la fin. Est-ce que tu peux dire amen? Je me rappelle, c'est en même temps un témoignage pour rendre grâce à Dieu. Ça fait exactement 7 ans. Que Dieu m'a fait la grâce de créer une entreprise. Et je vais te dire la vérité, j'ai créé l'entreprise à un moment où l'État de Côte d'Ivoire a lancé ce qu'on appelle l'opération Doing Business. En anglais, ça veut dire faire le business. C'est sponsorisé par la Banque mondiale et ils ont créé ce qu'on appelle le guichet unique qui est dirigé par le CPC. Pour créer rapidement les entreprises. Donc quand tu vas là-bas, tout le monde est réuni. C'est-à-dire tu n'as plus besoin d'aller chez un notaire. Tu n'as même plus besoin de déposer un capital élevé. Et en 1 jour et 2 jours, pour moi, a été créé exactement en 2 jours. Tu déposes ça aujourd'hui, le lendemain on t'appelle pour avoir tous tes papiers de l'entreprise. C'est pour dire que pour créer l'entreprise, ça a été tellement facile. Le début était important parce qu'il fallait la créer. Mais je vais te dire la vérité, que en 7 ans, le nombre de stress que j'ai vécu, je n'ai jamais vécu ça. En 7 ans, le stress des fins du mois, le stress de payer des salariés, le stress d'avoir des marchés, le stress de gérer des projets, le stress de la trésorerie, je n'ai jamais vécu ça. Passer d'un stade d'employé à employeur, ça n'a rien à voir. C'est exaltant, c'est vrai. Mais je te dis la vérité, il ne suffit pas de créer l'entreprise. Il y a un rapport qui a montré que aussi, c'était aussi facile de créer l'entreprise au CPC. Après seulement quelques mois, quand on fait le rapport, plus de la moitié des entreprises qui ont été créées ont disparu. Il y a certains même qui n'ont même pas eu un seul local. L'entreprise est restée comme papier dans leur tiroir. On a été souvent à des réunions organisées par le CGCI, qui est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Et il y a certains qui ont rendu des témoignages, ils ont dit, comment vous arrivez? Ils demandent ça aux doyens. C'est-à-dire, il y a des doyens souvent comme les Diagou, ça c'est un autre niveau. Mais il y a d'autres qui viennent après. Souvent, ils sont devant et ils permettent que tu poses question. Il y a certains qui demandent, comment vous êtes arrivé pour avoir 20 ans, pour avoir 15 ans, pour avoir 10 ans? Parce que moi-même, je n'ai même pas pu dépasser 1 an. Je rends grâce à Dieu parce que ça fait 7 ans aujourd'hui. C'est pour te dire quoi? Que tu peux commencer, mais comment faire pour que l'entreprise puisse continuer de vivre? C'est encore plus difficile que de commencer. Tu peux commencer le mariage, mais comment faire pour que le foyer puisse se tenir? Ça n'a rien à voir avec les ping-pong, ping-pong, ping-pong. C'est un autre niveau. Alléluia. Tu peux commencer même un emploi. On peut t'embaucher aujourd'hui. C'est toute une joie.
Mais comment faire pour gérer une carrière? Comment faire pour continuer à gérer les humeurs des patrons? Comment faire pour rester à un certain niveau, un niveau de mise à jour d'intellectualisme, un niveau de mise à jour des connaissances, c'est un autre niveau. Alléluia. Tu peux commencer, on peut te renvoyer un an plus tard parce que tu n'es plus à niveau. Tu peux commencer à cause de ton caractère, tu peux ne même pas atteindre 5 ans. Tu vas oublier le début de ton embauche. Une chose est de commencer et de tenir jusqu'à la retraite. Une chose est de commencer et de faire de telle sorte que l'entreprise puisse rester jusqu'à ta mort. Et même continuer de vivre même après ta mort. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et tout ce que nous faisons, c'est une course. Tu peux commencer la course et ne pas l'achever. Tu peux commencer la course et arrêter en cours de course. Tu peux commencer la course et à un certain moment, même les marathons, il y a certains qui abandonnent. Même les courses de fond, il y a certains, même 60 mètres simplement, il y a certains qui ne finissent pas les 60 mètres. Dans tout ce que nous faisons, il y a un début, il y a une fin. Alléluia. Et notre Dieu, c'est vrai, le début est important pour lui. Mais notre Dieu regarde encore plus la fin. Alléluia. Et dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, le jour où nous naissons de nouveau, le jour où nous donnons notre vie à Dieu, la Bible dit que les anges acclament le Seigneur parce qu'un seul péché s'est répandu. La Bible dit que tout le ciel est en joie. Parce que ce jour-là, c'est important. Mais est-ce que tu sais que le même jour où le ciel acclame, les démons aussi se lèvent pour ne pas que tu puisses certainement aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il peut y avoir des épreuves. C'est pour ça qu'il peut y avoir des tentations. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu peux faillir. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu peux rétrograder. C'est pour ça qu'à un certain moment, même dans le ministère, il y a certains qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'une chose est de commencer, mais une autre est de rester toujours actif et vivant pour la gloire de Dieu. Donc dans tout ce que nous faisons, principalement la vie chrétienne, Dieu aime qu'on commence. Il est heureux. Mais il aime qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Et Paul dit que je cours pour remporter le prix. Je cours pour arriver jusqu'à la fin. Je cours pour arriver jusqu'au bout, pour ne pas abandonner pendant la course. C'est pour ça que je traite durement mon corps. C'est pour ça que je m'abstiens de certaines choses. Parce que le plus important, c'est Dieu qui définit le temps de la course. Alléluia. Délai de fin de course. Alléluia. Et Paul, dans 2 Timothée 4, il va parler de lui-même sa course. Comme il a commencé dans 1 Corinthiens 9, il dit, je sais de libation et le moment de mon départ approche. Je te dis la vérité, Paul n'était pas en train de parler d'un de ses voyages. C'est-à-dire souvent, il est à Jérusalem, il va partir ici, il va partir à Rome. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Paul était en train de parler de son départ vers le Seigneur. Alléluia. Voici quelqu'un qui s'est donné à Dieu. Nous connaissons tous les circonstances de sa conversion. Et il a servi Dieu. Il a couru. Il s'est imposé toutes sortes d'abstinence, de privation. Et à un certain moment,
divinement averti par Dieu, pendant qu'il entend de conseiller son fils spirituel Timothée, son enfant dans la foi, il va dire à Timothée que le temps de mon départ est proche, mais je sais que j'ai combattu le bon combat et désormais une couronne incorruptible m'est réservée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Gloire à Dieu. Paul, il savait qu'il avait combattu, il savait qu'il avait couru, il savait qu'il avait fait certaines choses pour la gloire de Dieu et il n'avait plus peur de partir vers le Père Céleste. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il avait la victoire. Et c'est en vertu et sur la base de cette conviction que Paul pouvait dire que la mort met un gain. Alléluia. Parce qu'il sait que pour être récompensé, il devait passer par la mort. Parce qu'il sait, pour obtenir cette couronne incorruptible, pour obtenir cette gloire, pour obtenir cette félicitation de la part du Seigneur, il devait passer par la mort. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire ceci. Et je vais me baser même sur la parabole des talents dont notre Père a parlé il y a de cela deux dimanches. Quand je refais un peu l'histoire. Quand le maître, quand il donnait les talents, c'était le début. C'est-à-dire quand il les a appelés, c'était le début. Tous ceux qui ont reçu, certainement ils étaient heureux de recevoir quelque chose de la part du maître. Mais je vais te dire une chose, ce n'était pas le jour où le maître distribuait les talents pour le maître. Ce n'était pas ce jour-là qui était important pour lui. Parce que quand nous lisons l'histoire, quand le maître est venu, ce qui l'intéressait plus, c'était de savoir qu'est-ce que chacun avait fait de son talent. C'est-à-dire à la fin, là, qu'est-ce que toi tu as fait de ton talent? Au point de dire à celui qui n'a pas multiplié le talent, il a dit, mais si tu savais que tu n'allais pas multiplier, il fallait aller donner au banquier. Donc le maître lui-même, il a oublié le jour où il donnait. Parce que ce jour-là, c'était un jour important, mais ce n'était pas le jour le plus important pour lui. Le jour le plus important pour lui, c'était le jour où il allait venir demander les comptes à ses collaborateurs. Alléluia. Je voulais te dire que pour Dieu, ce qui est important pour le Seigneur et aussi pour nous qui doit être, c'est comment la fin sera pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et quand tu as vécu le bon combat, quand tu t'es donné au Seigneur, même si tu as traversé des situations difficiles, même si tu as vécu péniblement, même si tu as vécu avec beaucoup de difficultés, mais je voudrais te dire, lorsque Dieu va siffler la fin, lorsque Dieu va prendre le jour où lui-même il va demander les comptes, s'il sait que tu peux rentrer dans sa joie, ce jour-là, la Bible nous dit, au même titre que le ciel était heureux pour acclamer ta naissance spirituelle, la Bible dit que le ciel sera heureux pour t'accueillir dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Et cette joie, c'est une joie qui est une espérance. Parce que quand nous vivons pour le Seigneur, c'est cela notre priorité. Alléluia. Quand nous vivons pour le Seigneur, autant nous avons plusieurs courses, nous ne devons jamais oublier ce bon combat. Alléluia. Nous ne devons jamais oublier ce combat de la part que Dieu nous permet de vivre. Et en cela, nous pouvons être heureux. Nous pouvons être dans l'espérance. Quelles que soient les situations par lesquelles nous passons personnellement, que ce soit sur le plan familial, sur le plan communautaire, nous pouvons dire que parce que certainement nous avons vécu le bon combat, nous pouvons dire que nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vis ainsi, le verset 8 de 2 Timothée 4 nous dit ceci, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alléluia. Oui, quand nous sommes à la fin des moments
comme la mort que nous ne souhaitons pas, on peut faire plusieurs points. On peut faire plusieurs bilans. On peut faire le bilan de notre carrière sur terre. On peut faire le bilan de ce qu'on aura réalisé sur terre. Est-ce qu'on a des maisons? Est-ce qu'on a ceci, cela? On peut faire tout ce bilan. Qu'est-ce qu'on laisse pendant qu'on est en train de partir? Mais il y a un bilan qui est le bilan le plus important. Est-ce que j'aurai combattu le bon combat de la foi? Est-ce que j'aurai gardé la foi? Afin que toutes les couronnes terrestres qui restent derrière moi et qui ne m'accompagnent pas, est-ce que la véritable couronne qui m'attend dans le ciel m'est réservée? Et si cette couronne m'est réservée, nous pouvons célébrer Dieu pour ceux qui restent, comme Paul l'a dit, pour ceux qui auront aimé son avènement. Nous pouvons célébrer Dieu. Nous pouvons être dans la joie. Nous pouvons être vainqueurs. Nous pouvons proclamer la victoire. Parce que ce que Dieu lui regarde, c'est que ses anges puissent accueillir, c'est que ses anges puissent recevoir, c'est que ses anges puissent acclamer pour dire: voici un bon et fidèle serviteur de l'Éternel. Alléluia. Et cela fait que la joie du premier jour n'est pas perdue. La joie initiale, cette joie, elle demeure malgré la douleur de la séparation. Alléluia. C'est pour cela, en toute chose, nous ne devons jamais oublier que nous sommes dans une course. Que nous sommes dans une course. Et tu ne sais pas à quel moment la course peut s'arrêter. Tu ne sais pas à quel moment celui qui a le sifflet, l'arbitre principal, c'est Dieu. Tu ne sais pas à quel moment il peut siffler la fin. Mais une seule chose est importante. Lorsqu'il siffle la fin, qu'il puisse savoir que lui-même, le ciel peut se réjouir pour toi. Alléluia. Et le ciel peut attester, un peu comme Paul lui-même avait cette conviction, que le ciel pouvait attester qu'il a combattu le bon combat et que la couronne de victoire lui est réservée, et que nous puissions acclamer pour dire qu'en réalité nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Et cela fait que tu n'auras pas vécu en vain. C'est vrai que les hommes, eux, jugent par rapport à certains bilans humains. Mais pour Dieu, tu n'auras pas vécu en vain. Alléluia. Et cette vie restera un témoignage. Cette vie restera une vie de victoire. Alléluia. Cette vie restera une vie qui sera une vie qui glorifie le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, en toute chose, nous allons prendre Philippiens 1, verset 21. Et c'est par ce verset que nous allons terminer. Philippiens 1. Je lis à partir du verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort met un gain. Est-ce que tu peux dire amen? Christ est ta vie, et la mort est pour toi un gain, parce que tu auras vécu pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout en acclamant la parole du Seigneur? Et nous allons prier pour un ou deux sujets ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu vas rester dans cette position. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier sur la base de cette parole qui dit: tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, tu es mort à la croix pour ton Église. Et Seigneur, par cette mort, Seigneur, nous avons la vie en toi. Et Seigneur, nous nous sommes donnés en toi. Et notre vie t'appartient. Et nous voulons vivre pour toi, afin de combattre le bon combat de la foi. Et que la couronne de victoire nous soit réservée au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, en tant qu'Église, nous élevons la main et nous élevons la voix. Et nous voulons proclamer ta victoire ce matin au nom de Jésus. Parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et sur le péché, et sur la mort. Est-ce que tu peux élever la voix un instant, prier le Seigneur pour ce seul sujet? Élève la voix et prie pour toi-même et demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te soutenir dans ta foi et demande au Seigneur de t'aider à marcher encore et à garder la foi et à garder la course et à rester dans cette foi au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de t'aider à continuer la course et que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, que rien ne viennent encore enlever cette foi en toi, mais que tu gardes cette foi, parce que la fin vaut mieux que le commencement, parce que la fin est meilleure que le commencement. Élève la voix et recommande-toi à Dieu, recommande-toi au Seigneur personnellement, et que Dieu encore fortifie la vie de chacun d'entre nous en tant qu'Église au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te bénissons notre Dieu, au nom de Jésus. Alléluia.